Allez, bonjour. J'avais envie de me faire plaisir et de vous retrouver un petit peu. Alors, ça s'est bien passé le déconfinement? Ouais, tout va bien, moi ça va. C'est vrai que j'avais envie de vous retrouver, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un pop-up, un livre qui est fabuleux, qui s'appelle World of Warcraft, le livre pop-up, bien sûr, Matthew Reinhardt. C'est un livre qui est tout récent, hein. Il est de 2019, mais il est aussi, comme beaucoup, assez fabuleux. Voilà. Bon, allez. Donc vous allez voir, il est énorme ce livre. Hop. La cité de Hurlevent. Alors là, il y a un endroit où on soulève, et en fin de compte, le lion de Hurlevent. Le noble lion orne le blason de Hurlevent depuis des générations. La forteresse a souvent surmonté les obstacles seule, mais n'a jamais refusé d'accueillir un membre de sa troupe. Là, voilà, ça c'est le château. La cité de Hurlevent, là, alors je passe la main devant, une tirette, et vous avez le sacrifice du roi Varian Vrim. Et là, encore un endroit où on soulève, le roi Jaime Grisetête. Et on y va doucement. Là, voilà, le conseil des trois marteaux. Il les explique bien. Tirer. On tire. Voilà. Encore tirer. Et là, vous avez Jaina Port-Vaillant. Là encore, on tire et vous ouvrez la porte. Alors, faut aller. Voilà, faut aller un petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc là, on tire encore. Forge fer. Alors je crois que cette page-là, attendez, je ne vais pas. Voilà, non. Donc là, on tourne la page. Voilà. Là, vous avez ça. Alors, je crois que sur celle, voilà, là, il y a encore des petites choses, il y a des choses partout en fin de compte. Pour ceux qui connaissent bien l'univers de Warcraft, ça doit leur rappeler de bons souvenirs. On continue. Les ruines de Lord Daeron. Alors, regardez bien. Tirez. Non, je dis, hein, faut bien connaître l'univers de Warcraft pour savoir ce que ça représente. Voilà. Donc là, on soulève la nouvelle allégeance. Les elfes de sang. Le royaume des morts-vivants. Et là, le fléau. L'incendie de Teldrassil. Bah pareil, regardez. On tire. Soulever Darnassus. Tirer. Voilà. Et encore une fois, tirer. Et là, c'est les Draenei. Les Draenei. Je vous remontre, hein. On tire doucement. Voilà. Et on ferme encore ce livre. Orgrimmar. Thorins. Donc là, voilà un peu de lecture. Soulever. La sorcelance vous explique tout ça. La tirée, et ce sont orques. Alors faut bien connaître, moi je ne connais pas suffisamment Warcraft parce qu'il a été tiré il y a quelques années un film. J'ai bien aimé le film, malheureusement il n'a pas eu le succès escompté. C'est dommage parce qu'il devait avoir une suite.
Et je pense que malheureusement, il n'aura pas de suite. Voilà, ça c'est l'Empire Zadalari. Alors, ils expliquent, hein. C'est très beau livre. Bon Sandy. Loas avec Talanji et tirer les navires de guerre. Alors pour ceux qui connaissent bien l'univers, ça doit vous rappeler des petites choses sympathiques. Donc ensuite ce livre, voilà. Ah puis il y a encore une petite tirette là. Et tirer et on ouvre une porte. Voilà. Et alors maintenant, il fait en fin de compte comme beaucoup de mes livres. Voilà, on prend son temps, on le referme, on l'ouvre. Voilà, faut faire, c'est là qu'il faut faire très attention. Alors, ça va prendre 2 minutes, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Alors celle-là, je ne sais plus comment elle s'ouvre. Celle-là, elle doit s'ouvrir. Comme ça. Comme ça. Alors, vous voyez, c'est relativement compliqué et on y perd son latin. Bon, je crois que je vais y perdre mon latin. Voilà. Non, parce qu'il est énorme, il faut y aller doucement, mais là je pense que la table ne va pas être assez grande. En gros, voilà. Il y avait plein de petites choses que je n'avais pas soupçonné. Ah putain, il y a mes petits oiseaux qui sentent. Et il y a moi qui suis un peu perdu dans l'ouverture de ce livre-là. Non, attends. Et je vous ai dit, j'étais un peu perdu dans l'ouverture de ce livre. Voilà. Voilà. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais c'est parce qu'il est immense en fin de compte. Regardez. Et là, vous avez. Alors, tiens, ma petite dame, je voulais dire ça. Voilà. Et là, je vais faire des bêtises parce que celui-là, il est énorme. En gros, voilà. Et ça, ça doit s'ouvrir aussi. Je vais faire une bêtise. Bon, je crois. Voilà, donc en gros, c'est pour vous montrer ce que ça donne. Et là, on ouvre en fin de compte. Et on a tout l'univers de Warcraft. Mais c'est vrai que je l'ai jamais ouvert, celui-là. Donc, et puis là, vous voyez, il manque une page. Qui est de voilà. Et voilà. Alors là, il faut y aller mollo. Là, il faut y aller mollo. Voilà. Et ben non, ça ne doit pas être ça. Vous voyez, quand on fait des bêtises, qu'on n'est pas doué. On n'est pas doué du tout. Bon, en tout cas, il manque une page. Voilà. En gros, voilà, vous avez tout l'univers. Donc, je vais m'appliquer. Je vais essayer de vous montrer ça correctement une prochaine fois, quand je l'aurai moi-même bien déplié et bien vu. Vous voyez, il est... Voilà. Alors, il ne faut surtout pas faire de bêtises. Et là, il y a même des petites pages que vous n'avez pas découvertes. Comme quoi. Donc là, ça doit aller là. Là, on doit aller comme ça. Bon, voilà. Donc, vous voyez, comme quoi, même moi, avec mes livres, je ne suis pas très doué parce que je ne les ouvre pas souvent. Comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, ce sont des œuvres d'art. Il faut prendre son temps. Vous voyez, bon, voilà, ben il y a dû faire une. Voilà. Donc, Warcraft. Très beau livre. Bon. Et ben voilà. Donc, je vais faire mieux la prochaine fois, je vous promets. Là, je me suis un peu planté dans la façon de le refermer. Mais il est nouveau, hein. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'était mon anniversaire il y a quelques jours. Et voilà, c'est un livre que l'on m'a offert pour mon anniversaire. Donc, il est super sympa. Donc, j'ai été heureux de vous retrouver. Hein. Passez un bel été, passez de belles journées. Profitez bien de vos vacances et puis on se reverra dans quelques temps avec quelque chose dont j'aurai pris le temps de l'étudier et je ne ferai pas trop de bêtises. Allez, je vous aime, bisous, à la prochaine, bye bye.